pour commencer notre test, nous avons un classique de VMW. Non, est-ce que tu dis VMW? BMW. Série 13 décapotable. Et il y a une magnifique tour pour faire les tests décapotables. Et comme toutes les VMW, les caractères de la voiture, c'est un caractère. Simplement tiré. Simplement tiré, ok. C'est un caractère sportif, mais nous commençons les tests avec un peu de tranquillité, non? Pour qu'on ait bien la voiture et surtout pour donner l'opportunité à notre collègue Arnaud de s'essayer. Je redescends. Ok. Très bien. T'es prêt, Martin? Oui. À une première analyse, nous avons toute l'information nécessaire. Les deux caractéristiques de VMW et notre écran avec l'information de Martin. Ouais. Alors, nous commençons notre test avec les sauts de l'engine, que c'est magnifique comme toutes les VMW. Et le changement de la vitesse est très facile. Et c'est... Oui, où est la... Il y en a à la moitié de la... Pour donde se passe aquí? Qu'est-ce que c'est ça? Un arbre à la moitié de la route. Route. De la route. Alors c'est pas possible de commencer avec... Elle est très confortable déjà. Oui, c'est vrai, parce que c'est sportif, mais c'est confortable aussi. Ici, nous continuons. À droite. Je ne peux pas. Je vais continuer un peu. C'est le bon glacis là. Ouais. C'est pour chauffer l'engine. Alors, qu'est-ce que tu penses, Martin, que c'est possible de commencer la test de sportif, de oui. La conduction sportive, oui. Alors, je crois que ça c'est un bon moment parce que pour voir comment est la conduction. Yeah. Oh, le saut de c'est magnifique, ouais. Le saut de l'engine. Oh, ouais. C'est oh, mal. Il y a un petit voiture qui. C'est pour là? Arnaud, que tu dis quoi? Et les ventes, c'est très agréable, non? De la. Ouais. De décapotable. Et alors peut-être qu'avant tu pourras remonter toutes les vitres. Tu vois, tu as un bouton de ta portière. De front. Comme ça? Comment? Comme ça? Les vitres. Les vitres? À droite, non? Non, à gauche. À gauche? Oui. Allez, Arnaud, Vite. Et nous arrivons à la. Wow! Un peu de dérapage. Parce que la traction est à l'arrière et permet parfaitement la rectification. Et l'entrée pour finir l'accélération totale de la voiture. Cette accélération un peu plus oui ok, mais c'est ce que tu me dis Arnaud quand nous sortirons de la ok alors un peu plus pourquoi? C'est magnifique la sensation de traction de ouais que
t'en fais plein. Facile de conduire parce que c'est un bon sensation. Ici à droite. À droite, ok. Comment est-ce que tu dis Arnaud, comment coger las curvas? Comme dans prendre les courbes. Comprendre les courbes, ok. Comprendre la courbe, non? Parce que tu peux voir qu'il n'y a pas pratiquement d'inclination de la voiture. Non, alors tu peux faire la correction de la, non, de la courbe. Très, très bien. Tu pourras sortir directement, comme ça on fera le plein en passant. Ok. Voir combien de litres on met, pas vrai, parce qu'elle est bien vide là. On a mis une quarantaine de litres. Peut-être un peu plus. 55, je crois, 55 litres. À conduire. Comment j'apprends à conduire? Ouais. C'était mon père qui m'apprend à conduire. Parce que mon père a conduit de voitures de rallye. Est-ce que tu non, tu sais rallye? Ici, ouais. Arnaud. Pablo, à qui? Oui, Arnaud, est-ce que tu. Oui, on dit des voitures. Tu sais les monnaies de rallye, non? Oui. Et pour faire petit. Concours en. De l'autre côté, ouais. Le... Ah, ah, ben. C'est bien. C'est bien ici, ouais. Derrière. Oui, derrière, celle-là ou l'autre. Ok. Bon, ah non, mais c'est cette personne qui. Mais... Ok. Oui. Tu peux redescendre toutes les fenêtres? Descendre, oui.